La grève des transporteurs urbains de Libreville, Ovando et Akanda a eu pour principale conséquence la pénurie des taxis. Ce matin, dans la capitale gabonaise, le constat était presque désolant, car certains chauffeurs ont refusé d'exercer suite à la hausse inattendue du carburant. En fait, je suis gabonais, mais je suis surpris par ce matin parce que la plupart des taxis sont garés. Il paraît que le prix du carburant a augmenté. Bon, là, ça devient un peu plus difficile, parce que concernant aussi les recettes et le prix, je pense bien qu'on peut s'en sortir. Là, on s'en sort. On s'en sort plus. Donc, on a du mal à s'en sortir. Quand ils augmentent à la pompe, on doit aussi chercher à augmenter le prix du taxi pour s'en sortir. Ah, je ne sais pas comment l'État va gérer ça. Les usagers affirment avoir eu du mal à se rendre dans leur lieu de travail et aussi que cette situation pénalise plus d'un. Ça cause énormément de soucis pour les citoyens comme nous. Comme nous n'avons pas de véhicule, nous sommes obligés d'attendre en espérant avoir un transport, mais ce n'est pas facile. Et nous souhaitons vraiment qu'il y ait vraiment des transports en commun, à part sur le train, si c'est possible dans l'avenir, parce que tout chaque fois c'est la même chose. Et nous faisons toujours régulièrement, c'est toujours le cas. Donc, nous espérons que les autorités de tutelle réagiront.